Dans la vidéo, ça, nous allons présenter une application. L'application, ça, lui-même, qui a pris doigt avec le téléphone. Ce téléphone là, ce téléphone a chauffé dans le monde. Eh bien, avec l'application, ça, qui a réparé le système téléphone. Mais attention, il faut que le téléphone ait des problèmes. C'est un téléphone qui a des problèmes. Android a des problèmes. Il a chauffé dans le monde. Tout ce qui a travaillé pour contre eh bien, on va jouer une solution. Pour commencer, nous allons aller sur Play Store. Pour commencer, nous allons sur Play Store. Et nous allons Play Store. Et puis, nous allons télécharger une application qui est système de réparation Android. Ok, système de réparation Android. N'a download premier et tout marqué système de version Android. N'a téléchargé. Il va prendre le temps pour télécharger, dépend des gens internet ou dépend des internet rapide. Il va prendre le temps pour télécharger. Intégrer le système de version Android. Et puis, n'a pas ouvert. Et puis, télécharger, n'a pas ouvert. L'infini ouvre, la banne est comme ça. Le téléphone tour, la demande d'autorisation par rapport à la sécurité Android, la demande de permission pour les stades. Mais la banne est comme ça. Elle est bon écran comme ça. Là, il y a toute information et bien sur téléphone. Il y a toute information sur téléphone. Mémoire ramenée et espace capacité, tout ça. Mais on même soit bien pour faire ou si vous voulez restaurer système. Et bien sûr, on va le faire. On va cliquer côté qui dit système de réparation Android. Là. Je vais garder là en bas pour lire. En jaune, ok, il m'a fait système de réparation et plutôt cliquer sur lui. Le cliquer sur lui, l'analyse tout système de téléphone. Ça va analyser tout système de téléphone complètement. Ok, la analyse complètement. La bien nettoyer le téléphone, non? Ok, sauf que la compte c'est un mais égal et la bon service. Mais il faut que le téléphone n'a pas de problème. Quoi qu'on ait été comme ça, ou alors sur le système de téléphone, non, ça n'a pas de problème. Ok, mais si le téléphone n'a pas de problème, la chauffe dans mon l'île. Au cabali, au carré sur le système. Qu'est-ce qui est fini? Parce que il suppose scanner tout ça au net. Il n'a pas le droit. Il suppose scanner. Il a fait scanner. Après ça, le bon résultat qui tout bien est ok. C'est le bon résultat, tout bagaille ok. Là c'est ça, c'est dernier. Ça c'est dernier scanner. Ok, on va regarder en bas, l'idée qualifie Kenos. C'est que tout le monde est ok. Et si on regarde dans l'air dans la tête, on va le checker.
Ok, on fait listo. Ok, on va faire listo. Ou sinon, on clique sur qualifier et puis on finit. Quand il y a là, ce que vous faites là, on va aller dans la gestion des applications. On va aller dans la gestion des applications. Ok, on va faire même bagarre là, on va aller dans la gestion des applications. Ok. On va regarder toutes les applications sur le téléphone. Je vais regarder le système de gestion des applications. Ce qui n'est pas tellement grand chose, parce que les guettants scanner toute application. Quand on va nettoyer, et bien que les bagages qui cachent dans le téléphone, qui n'est pas excellent, mais vous cachez en dedans même moi téléphone, nous prenons espace sur le téléphone et nous allons nettoyer. Nous allons cliquer côté qui marque Limpia Cache. Si l'application est téléchargée en français, nous allons prendre en français pour parole ça. Nous allons cliquer sur Limpia Cache. Et puis automatiquement, nous allons nettoyer tout ça qui cache en dedans téléphone. Ok? Immédiatement qu'elle finit, on va cliquer sur Limpia. Et puis tout. Tout bagay, ok. Ok, de wellboard si, et quand ça, c'est que li fini. L'autre bagay encore qu'a fait, ou qu'a bay RAM nan, on ti booste, ou qu'a pour passer mon RAM téléphone nan. Ou qu'a sou RAM nan, et puis tout, li ap scan. Depuis qu'il y a un problème, depuis que téléphone nan, on va qui pas marcher sur lui automatiquement la scan. OK, la tout bagaille OK. OK, si nous tourner derrière encore, on doit regarder batterie hein. Loin la batterie hein, juste qui bas où toute application ça qui boule plus charge, ça qui boule moins charge et puis tout s'ouvre fermé ou même pour qu'a fermé. OK, il boit tout pourcentage s'ouvre fermé ou pour qu'a fermé juste pour économiser charge sur téléphone. Après ça, on passe dans Calcutta Vasia. On clique sur Calcutta Vasia. Et puis tout, on va écrire l'état de ça. Ok. Limpia. On va nettoyer, on va clean tout les fichiers qui sont dans le téléphone. Ok, elle finit à 100%, ou elle libère en mégabyte. Elle dit mégabyte, ça c'est tout capital qui te prend espace. Elle dit que le téléphone, la bête plus c'est quand même bon giga, dépend de la capacité du téléphone. Elle veut tout faire clean, ou fini. Ok, on a juste le baiser encore, mais de vous faire clean, et puis tout sortir, ou fini. Ok, listo. Ok, c'est une bonne application. Il y a une bonne information de téléphone. Tout le monde qui va prendre des fois chercher des informations, comme qui téléphone a utilisé, tout ça. Et bien, les mêmes, il y a toute information de téléphone. Ok, il y a toute information de téléphone. C'est une bonne application. Depuis que le téléphone a un bon problème, on peut utiliser. Mais dès que vous finissez avec tout, s'ouvrir, on va vous quitter sur le téléphone. On va vous quitter sur le téléphone pour prendre espace. De vous finir avec, automatiquement finir avec, et bien, au cas tout désinstaller. Automatiquement finir avec, au cas tout désinstaller pour libérer l'espace sur le téléphone. Ok? Au tout désinstaller, soit si vous avez un téléphone non normal, et bien, automatiquement tout désinstaller. Ok? Et je pense qu'il y a une belle application liée, et c'est utiliser. Pour restaurer le système téléphone et quitter commentaire, c'est tout pour aller utile auto quitter commentaire et pas négliger partager vidéo, abonner et laisse à toi car je ne plus vidéo et puis chaque les vidéos tombent tout ou je n'ai automatique mais faut activer cette cloche là, faut nous toujours activer cette cloche là parce que nous avons une prochaine vidéo encore pas négliger abonner. Et puis, dans la prochaine vidéo, Greg Ouskou.